Yo tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes super bien et on se retrouve pour l'ending numéro 2 de Mad Father. Et comme je l'espérais, regardez, magnifique, j'ai enregistré juste avant qu'on aille voir Mer. Alors, on va y aller. C'est parti, champagne, oh yeah. Et cette fois-ci, on va faire le choix de ne pas sauver Père dès le début pour voir ce que ça nous donne. Alors, elle est partie. Oui, on a déjà vu ça, on connaît. Je me demande quel choix va faire, l'autre. je vais regarder jusqu'à la fin. On sait, Hitman, on sait que tu vas regarder et rien branler. Je l'ai vu durant le dernier épisode, n'est-ce pas? Où tu m'as laissé littéralement manquer mourir à quelques lacs de fois et c'est Maria qui m'a sauvé. Voilà. Alors, nous voilà chez... Dans je sais pas quoi. Dans l'autre monde. Enfin... Bref, on sait ce qu'elle dit, on sait ce qu'elle dit. Je ferais mieux d'avancer. Oui, Aria. Allez hop, en avant. En avant, en avant. Ok. Un gros trou, a big hole. Parfait. Mère, te revoilà. Avec Père et Maria. Je me souvenais même plus, vous voyez, que Maria était là. Maman. Alors tu es venue, Aya. C'est vraiment toi, maman. Maman. Rejeté. Non. Tu n'aurais pas dû venir. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu l'as vu en venant ici, n'est-ce pas, Aya? Les atrocités que cet homme a commises. Je ne veux pas plus de victimes. Tu ne ressens pas la même chose, Aya? Tu mens! Si quelqu'un comprenait Père, c'était toi, mère. C'est Maria que tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Elle aimait Père. Alors tu n'aimais pas les voir ensemble. Je sais comment tu ressens. Je sais ce que tu ressens. J'aime Père aussi. Alors je ressentais comme si quelqu'un l'emmenait loin de moi. J'avais tellement peur, je ne pouvais plus respirer. C'est un soulagement. Tu es vraiment notre fille. Je sais ça. Oui, c'est exactement comme tu l'as dit. Je ne pouvais pas supporter de voir ton père et Maria ensemble. Mais tu aimes toujours père, non? Alors pourquoi est-ce que tu le fais souffrir? Je n'ai pas venu ici pour souffrir. Hein. Ce n'est pas comme si j'aimais et je voulais le faire souffrir. Je ne veux le laisser à personne d'autre. Alors je l'emmène avec moi. Oh yeah. Tu ne peux pas. Si tu peux. On va carrément la laisser faire. N'as-tu pas promis que quoi qu'il arrive, nous supporterons Père? Non. Rest easy. Reste tranquille, Aya. Je vais le supporter. Éternellement. Dans l'au-delà. Et qu'est-ce qui va m'arriver? On va rester avec Maria. Elle n'est pas morte. Sans père, je serai toute seule. Je ne veux pas ça. Je veux juste vivre avec père et toi. Maman, prends-moi avec toi aussi. S'il te plaît. Je ne peux pas faire ça. Je veux que tu vives et que tu sois heureuse. Mais je ne peux pas. Si, tu peux, Aya. Ce qui me rend heureuse, c'est d'être avec toi et père. Alors ne me laisse pas seule. Get rejected. Oh yeah. Personne ne doit interférer. Maman. Non. Honey, ma chérie. Laisse-nous partir. Alors. Here comes the choice. Père. Non. Bientôt. Aïe. Putain, quand je vois qu'après tu veux me tuer, crois-moi, là, j'ai plus envie de te sauver. Père! Père! Lâche-le crever, Aya! Aya, pourquoi n'écoutes-tu pas ta mère? Si, si, on va t'écouter. N'emmène pas Père au loin. Hors de mon chemin! Maman!
Personne ne doit l'avoir. Maman, arrête. Il est à moi seul. Wow, elle est un peu creepy quand même, hein. Qu'est-ce que c'est, monsieur? La magic water. Pour faire de nous une witch. Ou une magical girl, je ne sais pas. On envoie de l'eau bénite, wouhou. Je ne peux sauver père avec ça. Mais, quoi faire de mère? Si ton amour l'atteint, je suis sûre que ta mère peut être sauvée. Vraiment? Je ne suis pas vraiment sûre. Qu'est-ce que je devrais faire? Ah ah! Grand Mother Witch, oh yeah! Je suis désolée, père. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis très intéressée là. Maman, elle t'aime plus que n'importe qui. Je ne peux pas t'enlever d'elle. Aïe. Je suis désolée. Pas moi. Ok. Et donc nous voilà ici et cette fois-ci, il n'y a plus père. Où suis-je? Dans le labo de secret de père. Je suis revenue en arrière. C'est juste moi. Ah, il n'y a pas Maria? Mince. Ah, j'espère qu'il y a Maria parce que j'aime bien Maria quand même. Ok, alors. Waouh, il n'y a personne? Diet Blood. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose avec le pendentif? Non. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on peut faire? La dernière fois, on avait eu le temps de rien faire du tout, étant donné que notre père nous courait après. Alors, on va visiter, là. Alors. Une poupée. Ma bride, comment c'est? Une mariée. Une poupée déguisée en mariée. On dirait presque qu'elle est vivante. Ok. Stuffed. Something. C'est pelucheux. C'est... Comment traduire ça? C'est poilu. C'est quelque chose de poilu. Une poupée. Elle a un regard très triste. Seule. Elle semble familière. Ok. Je vais sauvegarder. Alors, faut pas que je fasse de bêtises. Je vais sauvegarder ici. Voilà. Là, c'est... On a sauvé père. Là, c'est... On n'a pas sauvé père. Ok. Faut faire attention. Alors. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Rien. Je pense que déçu, je m'attendais à plus de trucs. Je peux rien faire avec ce que j'ai. En même temps, vous me direz, j'ai plus rien. Ah, j'ai une gemme, une lampe et un pendentif. Ouhou, je vais aller loin avec ça. Ok. J'essaye tout sur tout, hein. On sait jamais. Ok. C'est vraiment bizarre. Il est où le corps de mère, hein? J'ai pas halluciné. Il était là avant. Ok. Bon, allons-y. Ah, le mannequin, vous savez, le mannequin qui s'était mis devant la porte pour nous sauver de père. Ah, Z-push, là c'est bon. J'ai pas peur de Z-pusher là. Tout va bien, y a pas père qui nous poursuit. Et du reste, vous voyez, y a plus le petit truc à activer pour pouvoir ouvrir la porte au fond. Alors, school, je peux visiter, donc visitons. Enfin, visitons, y a pas grand chose. Hein. Sur votre gauche, des tonneaux. Sur votre droite, du verre brisé. Pas mal. Ah, mais c'était là. Ok, bah je vais l'activer. Voilà. Autant pas faire demi-tour. Alors, un cadavre. Ah, je marche carrément dessus. Pourquoi pas. Du verre brisé. Ok. Bon. Rien de nouveau. Ah, Maria. Elle est toujours là. Maria! Ok. Où est-ce que... Maîtresse? Où est le docteur? Que lui est-il arrivé? Comment t'expliquer? Maîtresse, le docteur! Non, il... C'est pas grave, Maria. Docteur! Ah mais mince! Tu l'aimes plus que moi! Oh non! Je sens que ça va pas être notre ami, résultat. Fuck. Bon. C'est tellement silencieux. La malédiction a dû disparaître.
Et père est parti. Je suis sûre que c'était pour le mieux. Oh oui. Personne ne sera plus jamais blessé par les expérimentations de papa. Tu as dit la même chose, n'est-ce pas, maman? Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je n'ai ni père ni mère. Je suis toute seule. Non. Je ne dois pas... Wine? Bon, moi, ça s'écrit pas comme ça, mais pour moi, wine, c'est le vin. Hein. T'enlèves le H et ça y est. Quoi, tu veux devenir une alcoolique, Aya? Non. Non, pas toi. Ok, je cherche. Sur mon magnifique Google traduction. On a encore la musique déprimante. Je crois que c'est la même que quand on essayait... quand père essayait de nous tuer, c'est possible. Enfin, c'est quand même vachement plus facile que l'épisode d'avant. Gémissement. C'est un gémissement. Bon, bah, je ne dois pas gémir, ouais, je ne dois pas me plaindre, enfin bref. Ça doit être encore une expression anglaise que cette fois je ne connais pas. Je dois juste continuer à vivre de mes propres moyens à partir de maintenant. Même pas Maria, tu viens? Maria, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas rester ici maintenant que père est parti. Mais si tu as nulle part où aller, alors... Come with me. Oh yeah. Maria? Non. Elle m'a pas tué quand même. Oh mais non, Maria. Oh putain, non. Maria. Maria. Tu me déçois là. Oh, je suis déçue. Je pensais que c'était un happy end, mais bon, bah non. Docteur, tu n'es plus avec nous. Mais s'il te plaît, take heart, prends cœur. Take heart. Littéralement, ça fait prends cœur. Mais prends cœur quoi? Prends le cœur de la fille, prends mon cœur, what? Je dois... alors, take on the duty, c'est... je sais pas comment traduire ça, c'est terrible. The duty, c'est la responsabilité. Alors, je dois prendre la responsabilité, je pense, je vérifie. Duty. Non, duty, j'arrive même pas à écrire. Prendre le devoir. Ouais, c'est ça. Je prends la responsabilité du futur que tu voulais pour la maîtresse. Oh non, elle va faire de nous une poupée. Maria, sérieusement, je dois m'en occuper. Alors s'il vous plaît, restez en paix. Oh, je suis trop déçue, docteur. Ah, Maria, tu me déçois. Alors l'épisode d'avant, tu me sauves parce que tu veux pas que je devienne une poupée. Et cet épisode-là, tu me tues pour que je devienne une poupée. Faudrait savoir que tu sais ce que t'es. T'es pas un peu binaire, meuf? I love you, ouais, c'est ça. Moi, je t'aime pas. Hein. Bad end one. Génial. Love is madness. Génial. Bon, on aura vu le bad end numéro one. Fuck! Je suis déçue de Maria, vous voyez. Je pensais vraiment qu'elle allait... qu'elle allait pas faire ça. Enfin bref, c'est pas logique. Bon, bah cette vidéo sera assez courte, hein. Je vois que ça fait à peine, ça fait même pas 15 minutes. On aura vu le bad end numéro 1. Donc il nous reste à voir le bad end numéro 2, l'espèce de if là, et le muséum que je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement essayer de chercher les gemmes qui me manquent hors caméra. Voilà, je sais pas si je vous montrerai où je les ai trouvées, je verrai où elles sont, ça se trouve... Je vais les voir, je vais pas les prendre, on va les chercher ensemble dans l'épisode qui est arrivé juste après, voilà. Et moi je vous dis, bah j'espère, ma foi, que cet épisode
voudra plus. Je vous dis ciao tout le monde et à bientôt pour la suite où on verra un nouvel ending encore une fois. Allez, portez-vous bien. Bye bye.